suffering will be legendary, even in hell. Petit faux démarrage, hein. Bon, rebonsoir à tous. Dans notre quête de la, ce que je disais, dans notre quête de la convivialité et du jeu parfait, nous sommes amenés ce soir à jouer à la santé de Maurice. Alors, nous revoici sur le menu. On va faire un nouveau jeu. C'est curieux ça qui me... Il ne veut pas. Il ne veut pas reconnaître la manette. Écoutez, je me voilà bien embêté. On va être obligé d'y jouer. On va être obligé d'y jouer au clavier. Hein. Ça marchait très très bien, c'est toujours pareil. Ça marchait très très bien hors ligne. Et puis là, il ne veut pas. Donc écoutez, je prépare mon petit clavier. Qu'à cela ne tienne, hein, j'ai envie de dire. Et puis maintenant, il veut même pas. Ah si, il me trouve le jeu quand même. On va y arriver. Oui, bah on va y jouer à la souris. Hein. Et au clavier. Ça sera pas la première fois. Bon bah je fais pas l'erreur d'aller dans les paramètres. Si ce n'est pour mettre les sous-titres. Voilà, non, c'est bon. Graphique. On va tout mettre en LV. Hein, parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur, nous. Bon, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peur. Hein. Le son, il a moins 8. Je pense que ça doit être très bien. Allez, on confirme tout ça. On fait un petit retour. Puis on fait un nouveau jeu, voilà. Alors, est-ce que je suis prêt à recommencer? Oui, je pense. Allons-y. Trois fois, là, déjà. Allez, ne nous plaignons pas. La vie est belle. N'aie pas peur, je suis là. It's a 5-hour drive. Of course I'm pissed. We were never close, the old man and me. Because I never lived up to any of his expectations, that's why. Not out of spite or anything, but because I'm just not like him. First, I didn't move to Green Lake with him. Then I dropped out of university to try to become a cop. And then I failed at that as well. 27. Still not close to the brilliant career he had. So we hardly talk at all. Now he asks me to come over? Leaving me a confusing voicemail that makes no sense at all? Could it be he's finally lost it? Early onset dementia? Probably couldn't handle the retirement on his own. Should have thought about that when you left me and Mom, Dad. Bon, a priori, notre papa nous a demandé de venir à la maison. I know Green Lake is in the middle of nowhere, but you'd think there'd be some traffic coming up the road. Hank sounded nearly unhinged in his voicemail. Better not be sick or something. I mean, he's a bit of a bastard, but he is my dad. The research facility where Hank used to work. Should be a left turn coming up soon. Et fais attention, regarde pas trop à droite. On va voir ce que la fuss est about. What the? Where did this guy come from? Does he think he's do? Ah! Hey, what the fuck? Are you trying to kill me? Shit! Eh, dis donc. Shit! Oh shit! On se connaît à peine là. Shit. Évidemment, si on regarde pas la route, c'est l'accident. Donc notre papa nous avait conviés, hein. My head. Seatbelt. Appuie sur le bouton gauche de la souris. Oui, bah t'étais gentil, mais moi le bouton gauche de ma souris, ça me permet de faire ça. Mais pas ce bouton gauche là, pardon. Maintenez W. Bon, c'est pour avancer ça.
out of here. I got a flashlight somewhere. Alors ma lampe torche, c'est F. Maintenez le bouton droit de la souris pour zoomer. They're coming after me. I'd better hide. Turn off the flashlight. Voilà. Appuie sur contrôle pour s'accroupir. C'est moi ou je vois rien? Non, non, c'est très sombre. The target has crashed his car. We'll confirm the death of Moritz's son. Situation control team out. Not waiting for that to happen. Why me? Who are they? Questions for later. Shit, the car's a loss. Move your ass, John. Ok. Donc on a notre petite voiture en feu. Notre papa nous, gentiment nous a dit de venir. On va reprendre la lampe torche. Pour le rejoindre à Greenwall, hein, c'est ça je crois. Et on a eu un accident sur la route. Maintenez... pour courir. My lungs are burning. Nothing seems broken. God, where am I? Green Lake. You're my father's house. Maybe I can get there. If I'm not seen. Who are those guys? Why would they do such a thing? Why? John, walk now. Analyze later. Here comes the van again. Where can I go? Run! The order is in. Shoot the target. I repeat, shoot the target. Ah, ça rame. Hell no. We got him. Situation under control. Ah, c'était vraiment très très bien. Oh no. Here comes the van again. Ça vous plaît? Oh, c'est moi qui l'ai fait. Run! The order is in. Shoot the target. I repeat, shoot the target. Hell no. God. God, shit. Appuie sur F. Ok. Il faut que je fasse gaffe. En fait, j'ai mon clavier qui est à l'envers. Alors forcément, c'est un petit peu complexe. Où je change ça, j'ai la tête, j'ai la flèche pour avancer, c'est W. Alors vous doutez bien que pour moi W c'est pas Z. Je vais aller dans paramètres. J'ai peur de mettre le contrôle. J'ai envie de mettre en manette, mais oh mon dieu, on continue. J'ai envie de mettre en manette, mais ça va me faire le même coup que tout de suite. Là, il veut plus avancer. Je vais remettre ma lampe torche. Ah, voilà, parce que c'est W. Alors, c'est très difficile à faire, hein. Le W en arrière. On va y arriver. Were those men wearing masks? Some military outfit I've never seen before? Oh, God, I can't handle this. Even my vision's going all foggy. This is exactly why I didn't become a cop. I've got to avoid a panic. Staying in the light, or it'll only get worse. Good thing I brought that flashlight. La santé de Maurice, je pense que c'est un petit jeu indé. J'ai activé le pas. Bah normalement je pourrais jouer à la manette, mais je sais pas, ça veut pas le prendre en compte. Wait. Those men in suits talked about Morris's son. Oui, c'est nous le fils de Maurice. Worked at the institute. His voicemail. Is it connected? Is Hank okay? God, I can't think straight. Keep on walking, John. The house can't be far. Bon. Vous voyez là-haut? Activer le pas.
Le fait que le clavier soit à l'envers, c'est quand même très 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 très. Déjà que j'ai pas l'habitude de jouer au clavier, c'est un petit peu. Pour moi, c'est un peu dérangeant. C'est même pas que c'est un peu dérangeant, c'est. C'est pour rester poli que j'ai ça. Hank's house. Dites-moi si le son est bon, hein. The lights are out. Something happened here. This is gonna be bad. Okay. Start thinking, John. Keep your cool. Build a case. Make a theory. Write it down. You can do this. The voice. De quoi il parle, la boîte vocale? Je comprends pas. Okay, Hank. Where are you? Appuie sur table pour basculer sur le journal. I'll write down all the clues and facts I find in my journal to help me keep a clear head and solve problems. Ok, donc on a un petit journal. On a un petit journal, pour l'instant on a quoi? Ça c'est la timeline. Here I'll sort information in chronological order. I should be on the lookout for files, pictures, audio tapes, things like that. Ok, donc ça c'est vraiment la timeline. Alors, on a un message vocal, c'est là? Oh shit, voicemail. Jonathan, this is Hank. I hope this reaches your phone. You can't rely on secure telephone connections anymore these days. C'est grand tout petit, hein, j'imagine pour vous. You must visit me. I need to take you fishing in the lake for some big fish. I know just the spot. It might be in the dark at first, but there's some amazing stuff to see there. It had me quite captivated these past 2 weeks. I've got some nice pictures of it. I want to show to you. Let me think. Yes. When you come to the house, I'm sure you'll brighten up the place. Home is where the hearth is, right? You'll need to get into the groove of things. Listen to some old classics. After which I'll have you do a number of things. I've got a whole schedule laid out for you. You'll see there's more to Green Lake than you first thought. I haven't forgotten you're afraid of the night. So, make sure you bring a flashlight with you. I have to go now. I've guests coming over soon. Have to prep the house. We'll okay, call you Léa. Later. Je vais mettre plus fort. Come to me, son. Drive safely. Donc ça, c'est la timeline. On a un journal. Pour l'instant, on n'a rien. Bon, voilà. On peut fermer. Je vais mettre le son un tout petit peu plus fort. Je vais dans paramètres. Audio. Je l'ai mis à 8. Vous êtes sûr hein, que ça va pas couvrir la voix hein. Je le mets à 9. Je vais continuer. Ok. Là, on va regarder dans la boîte aux lettres de mon père. When was the last time Hank emptied this box? Ok, ça nous donne juste un indice. Mais où est sa petite maison? Là, il y a la boîte aux lettres. C'est pas ici. Oui. Vraisemblablement. Ta voix est à 15 facile. Ah oui, d'accord. Donc quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je le mette le jeu à fond. Je peux le faire hein. Mais la dernière fois Nick Taras m'a dit d'augmenter le son du jeu et on n'entendait plus du tout ma voix sur la VOD, donc ça me fait un peu peur. Je peux le mettre à 10 hein. Je vous fais confiance. Je sais que je le verrai pas, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, je suis faillible. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison de mon père là? Someone taped the door. That's bad. What happened here? I'm not getting in this way. Ok, donc on peut pas rentrer par là. J'aime beaucoup la musique, pour l'instant ça va. Là, ça doit être le truc de mon père. Does that mean he's around the house? On va faire le tour de la maison, hein. C'est ce qui me paraît le plus judicieux. On peut pas ouvrir la porte. Ça, le truc que je puisse pas utiliser sur un clavier américain, c'est en QWERTY, là, c'est chaud pour moi, hein, je vais pas vous mentir.
Au niveau du contrôle, c'est pas agréable du tout. Et j'ai trouvé un petit nain de jardin. T'es bien beau, toi. Really, Hank? Pourquoi on le prend pas? Moi, j'avais envie de le prendre. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette... Et là, c'est quoi? C'est la petite barque de mon papa. Hank's old canoe. À chaque fois, j'ai faux dans les mots, hein. Maybe there's a key. Oui, on va trouver ça. On va trouver ça, la petite clé là. On peut pas tout simplement péter la fenêtre? Qu'est-ce qu'on entend? Il y a des moments où il y a des bruits. Je crois qu'il y avait moyen de faire basculer son clavier d'AZERTY à QWERTY avec un raccourci clavier. Lequel? Ça m'intéresse. Parce que si c'est juste pour écrire ça et pas me dire le raccourci, on va pas être copains. Ah, je ne peux pas avancer, je me suis pris les pieds dans un gnome. C'est moi ou le jeu? Vraiment très très sombre là. Oh, pour vous c'est joli. Bon, la clé. Je fais le tour, hein. Là on n'a pas peur. Il habite vraiment dans un endroit qui fait peur, mon petit papa. Où il aurait planqué la clé? Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de le passer à la manette. Mais si je le passe à... Est-ce que ma manette est reconnue? Attendez, je regarde quelque chose. Vraiment, en deux secondes. Peut-être que mon logiciel est pas ouvert. Je regarde quelque chose. N'ayez pas peur, hein. Je suis pas loin. Je sais que des fois vous avez un petit peu peur quand vous me voyez pas pendant quelques secondes. Ce qui est bien normal, hein. Ce qui est bien naturel. Bah non, pourtant ma manette elle est bien là. Là elle est reconnue. Alors regardez, on va tenter, d'accord? On va tenter parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi. Paramètres. Je vais dans contrôle. Clavier souris. Je mets manette. Et je mets confirmer. Mais ça marchait cet après-midi. Alt Maj si tu as les deux langues installées sur le clavier. Ouais, mais maintenant c'est trop tard. Mais merci. Non, ça ne veut pas prendre en compte ma manette. Je sais pas pourquoi. Maintenant je suis passé en manette. Mais ces idiots-là ont fait un jeu où quand tu confirmes la manette, et ben du coup t'as plus la souris. Ah bah bravo, ça commence bien. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je sais pas pourquoi ça ne reconnaît pas ma manette. Autant vous dire que ça m'agace. Ça marchait en plus. Moi je coupe le jeu, hein. Ça marchait en plus cet après-midi. Je regarde juste mon petit machin là. De contrôleur. Normalement, il fonctionne. Là, je vais faire Edit pour voir si ma manette est reconnue. Non, il reconnaît rien. C'est peut-être pour ça. Non, si, il reconnaît tout. Il reconnaît tout, je raconte des salades. Il reconnaît tout. Mais cancel. C'était usual. Non, ma manette fonctionne très bien. C'est le jeu qui... Je sais pas, il le prenait en compte, et puis maintenant il va plus. Je vais réessayer ton truc du Alt Maj, Nick Taras. Parce que d'y jouer avec le W, pas te mentir... Non, le jeu n'est pas encore là. D'y jouer, c'est vraiment pas simple. Et puis c'est complètement con, une fois que tu as choisi un contrôleur,
J'ai choisi la manette de plus pouvoir avoir accès à la souris. Heureusement qu'on est fan, hein, parce que si je te connaissais pas, je partirais, je signerais ton compte et partirais. Non, mais t'inquiète pas, je m'y suis fait, hein. Les gens ne s'intéressent absolument pas à ce que je stream. Donc là, j'y vais vraiment avec une nonchalance maintenant. Je sais pas, ça doit être la voix, ça doit être ma voix ou mon physique. Les gens n'aiment pas du tout. Les gens arrivent sur le stream, ils restent 10 secondes et ils partent. Ah, mais du coup, j'ai pas sauvegardé. Non, mais je vais continuer. On va essayer ta technique du halt mage. J'espère que ça va marcher. Quant à savoir si j'ai les deux langues d'installer, ça je sais pas du tout. Donc hop, on est de retour. Donc tu m'as dit halt mage. Bon, évidemment ça fonctionne pas, sinon ça aurait été trop beau. Et vous savez, ça me donne envie de chialer, hein. Je me fais chier à faire des layouts, à préparer tout, à faire une vignette pour Instagram et tout, puis on arrive sur le jeu, puis ça ça marche pas. Ah, c'est... C'est peut-être pour ça. Hein. Peut-être que la clé est en dessous. Voilà. Tout simplement. Heureusement que je suis supérieurement intelligent. Ça nous sauve. Ça nous sauve. Ça sauve le stream. Bon, très bien. Donc là, on va pouvoir aller voir les petites choses. Ah, il y a un petit peu d'exclamation. Ah, cette image est importante. Alors, on va tout de suite dans la timeline, hein, parce que regardez. C'est une image de 1995. Alors, c'est toujours le problème avec ces jeux, c'est que pourquoi avoir écrit... Enfin... Ah non, puis là, vous avez vu le dessin? Le dessin est dégueulasse, hein. Franchement, vous faites un jeu vidéo. Vous mettez ce petit dessin-là, là? Vous voyez ma souris? On met pas ça. On choisit une vraie photo, à la limite. Bon, je vais pas vous lire, ça résume un petit peu mon père. C'est chiant parce que j'avais envie de me rentrer dans l'histoire. Et du coup, le jeu déjà t'agresse avec, avec une photo horrible. Bon, alors déjà, mauvais point. De temps en temps, il y a des touches de piano vraiment fortes. Alors qu'il n'y a aucune raison. Parce que là, quand on arrive dans normalement, quand on arrive dans la maison de son papa, on n'a pas peur, hein? Pourquoi on aurait peur? Il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai ma petite. Ouais, vous entendez ces bruits là? C'est trop quoi. Oui, mais c'est pas parce qu'on a un dé qu'on est forcément con, hein? On peut être indépendant et avoir du talent. Je veux dire, en bêta version. Quand quelqu'un joue à ce jeu, il faut pas 5 minutes pour se rendre compte qu'il faut pas mettre ces bruits-là. De gens qui crient, le piano, enfin c'est... C'est tellement cliché. Ah, j'ai trouvé un... Un fusible. Je vais écrire ça aussi. Peut-être tout ensemble, les choses dans mon journal vont commencer à faire sens. Ouais, c'est ça le problème. T'as complètement raison. C'est qu'on a fait visage. C'est qu'on a fini visage avant, alors forcément... Et pourtant, je me suis fait chier à essayer de trouver quelque chose de rigolo ou de bien... Mais il est bien noté, hein. Non, c'est vrai que... Là, je suis très déçu du fait de ne pas pouvoir jouer comme... que ça soit confort, en fait. Bon, là, les petites têtes... Non, puis regardez, on n'y croit pas une seule seconde que c'est une photo de quelqu'un, ça. C'est des dessins. C'est peut-être le jeu qui est comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai vu les... Oula. Breathe, John. Breathe. Remember your training? Adrenaline does some crazy stuff to the body. You're spooked, that's all. On a juste été effrayé. These documents hold important information. Bah oui, mais... Du coup, à chaque fois... Bon, on a trouvé la clé du jardin. J'ai trouvé un fusible, il était encore bon. Bon, ça, c'est le prochain truc. Et à chaque fois, on va avoir un document super long à lire.
Ouais, mais voilà quoi. Moi, ce que j'aime, c'est quand l'explication, la narration est expliquée dans le gameplay. Pas de lire des documents par centaines. Dans Silent Hill, on lit aucun document. Didn't he mention something about fishing in the lake? Starting to wonder if he meant that literally. Bon, on continue. Parce que là, du coup, comment vous dire? Oui, voilà, de toute façon, le jeu est en style cartoon, hein. Enfin, sans plaisanter. Comment vous dire? Commencer le jeu et déjà avoir un accident, bon, pourquoi pas, oui. Mais qu'il y a des mecs en tenue de je sais pas quoi qui nous tirent dessus, enfin. Je m'attendais pas à ça, voilà. J'ai rien lu encore, hein, sur le jeu, hein. Je sais juste que. Bah qu'il est bien noté sur Steam. Alors peut-être qu'il était noté par deux personnes. Bon, on a la canne à pêche, il faut qu'on aille. Bon, là c'est les toilettes. On faudra qu'on aille pêcher au lac. En fait, on cherche notre papa là. Il n'y a pas d'étage dans cette maison, si. Voilà. Si vous me voyez galérer, hein, c'est pas que je suis complètement con, mais c'est que j'ai pas moyen de faire mieux. On peut aller à la cave. C'est peut-être un side project de Fortnite. Alors c'est sûr que Fortnite, rien que pour ça, je pourrais jamais y jouer. C'est que je trouve ça vraiment horrible, les personnages. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pas notre... C'est pas pour... C'est pas le... What the fuck? Breathe, John. Breathe. Vous voyez ça, par exemple, je trouve que ça tombe à plat, mais bon. Recorded tape. Ah, un petit tournevis. Screwdriver? Better bring it along. Ok. On a bien fait d'aller à la cave. Comme critique à chaud, moi ça le fait que. Moi c'est le fait que le perso se parle à lui-même tout le temps. Oui, non mais voilà, pareil. Je suis tout à fait d'accord, Léa. On va tout allumer. To have power again. This house is freaking me out. Come on, John. Time to find some clues. Et le... On peut pas mettre le... On l'a fait automatiquement de mettre le... Le fusible, oui. Ça, on peut pas le prendre. C'est rouge, mais on peut pas le prendre. On aurait pu prendre une autre couleur. Hop. Bon, alors on y... On... Bah, maintenant, on peut monter. Hein? Bah le fusible, je sais pas, ça s'est fait automatiquement, j'ai juste tourné les pièces. A priori c'est bon. C'est sûr qu'on a fait visage, alors... c'était ça, ou alors j'ai plusieurs jeux de... vous savez, c'est des jeux interactifs, j'en ai trouvé un japonais, là. Ça avait l'air d'être rigolo, il était très mal noté, mais ça pouvait être rigolo. Bon, j'ai choisi celui-ci. Et peut-être que... Mais bon, attendez, il est noté 8 sur 10, hein, alors on va se forcer un peu, hein. Vous allez pas me faire les enfants gâtés en me disant « Ah, ça ressemble pas à ce que je veux. » Il y en a marre, hein. Petite note ici. Something about crop circles. Is he into that stuff? Jeez. Vous savez ce que c'est des agroglyphes? Salut Aurel. Oh, mais Aurel est ici, mon dieu. Allez, le chien de salut. Bienvenue à toi, Aurel. Ça faisait tellement longtemps, tu sais que tu es ici chez toi. Tu vois, Aurel, là, on est à la recherche de notre papa. On était sur la route. Et puis, on a eu un accident. Et puis après, des gens nous ont tiré dessus. It's about aliens. Why would my dad keep junk like this in the house? Bon bah ça y est, on a déjà compris que son père faisait des recherches sur les aliens. This image is important. Allez, on va aller regarder là dans notre timeline. On a eu deux trucs importants. On a une photo là. C'est quoi ça? Bon, je vais pas vous lire la facture. Hein. Par contre, on a un fichier son. This is Hank Morris, December 2014. I'm pissed. I want to get something off my chest. So, Barbara recently died.
You know it's been 9 years since I went to Green Lake and the marriage ended, but still. She was a fine woman and a great reason. Ça va être super chiant si c'est super long comme ça. But that's not what I wanted to talk about. See, I've just the phone with... J'en ai bien peur, Aurel. Vous savez quoi? On va faire comme dans la réalité, c'est-à-dire qu'on ne sait rien. On cherche notre père. Time and space. Alors ça se trouve c'est de l'adduction, hein. Je crois que c'est de l'adduption. Mon père s'est fait kidnapper par les martiens, hein. Je le sens gros comme une... I'm still missing something. Ah, on va avoir de l'énigme. This reinforced door needs a code. What's in the attic? C'est Sergio qui a fait le jeu. À chaque fois que tu viens, c'est un jeu que j'ai spécialement regardé dans la wishlist et dans la making list de Sergio. Et comme je sais que tu l'apprécies grandement, je peux pas m'empêcher. 9h59, allez hop, c'est le code. It's okay. You're just seeing shit. Bon, c'est très bien. On va aller un petit peu prendre l'air. On en a tous besoin. Surtout Aurel. On a encore du... Alors ça se trouve, les énigmes vont pouvoir être résolues en lisant les fichiers. Regardez, c'est pas magnifique ça. Hein, ça donne... C'est fini là, vous avez plus envie d'acheter une PlayStation 5, hein. Bon bah alors là par contre, le petit code, il lui manque quelque chose. Bon, on va peut-être aller quand même dans nos fichiers. Regardez, on s'est marqué, la tête de ce tournevis a une forme particulière. Très bien. J'aurais besoin de courant, de 4 chiffres et de l'ordre des codes. Mais on l'a déjà le courant. You'll never guess what I just found. This is Hank Morris, non, July mais 2015. Eh papa, s'il te plaît. Point trop d'info, hein. Parle beaucoup. Ils nous disent qu'on a besoin de courant, mais on n'a pas mis le fusible. Faut retourner à la cave. Moi je crois bien qu'il faut retourner à la cave, j'ai pas mis le fusible, hein. Mais en même temps, on n'a pas accès à... C'est bien ce que je pense aussi, Nictaras. Mais on n'a pas accès à... Par où on est arrivé? Il est où l'escalier? On n'a pas accès à notre inventaire. Voilà, c'est ici. Hop. Bon, pour Aurel, hein, qui croit que je sais pas jouer, c'est pas le ça, c'est que mon clavier est en QWERTY, là. Le jeu veut qu'on joue en QWERTY. Ce qui est très malin. C'est ce qui est très très malin, vu que pour nous, on peut pas. C'est l'arrière. Je sais pas, moi, si je ferais un jeu vidéo, déjà, dans les options, je proposerais QWERTY et AZERTY. Parce que je sais que les gens ont pas forcément... Enfin, qu'il y a la moitié du monde qui joue pas en QWERTY. Mais bon. Pour nous, pour eux, on est de la merde. Là, c'est pour zoomer. J'ai bien ramassé un fusible, hein. Si je vais dans mon tab... Là, attends, là, c'est quoi ça ici? J'ai accès qu'à la timeline. Au niveau des pièces, etc. Ah, tu crois qu'on peut en allumer que certaines et que... Je vais regarder ça, il est où? Non, on peut plus rien faire. Il n'y a plus de... Mais en fait, il faut peut-être que je retrouve d'autres fusibles. Mais j'ai pas l'impression d'en avoir mis un déjà. Et puis il me dit que mon crucifix a une forme particulière, mais comment je le vois mon crucifix? On voit pas nos objets. J'ai pas accès à... J'ai accès juste à mon journal de bord. Et je peux éteindre la lampe torche. Alors je vais faire les autres touches, genre inventaire des fois, sur la touche I. Non. Il nous l'aurait mis dans le tuto. Non, je sais que tu sais jouer, t'inquiète. Dans la pièce du haut, la chaise du bureau scintillait. Est-ce qu'il y avait un truc à faire avec? Mais j'ai bien peur que tout scintille dans le jeu, mais je vais aller voir. On va aller voir tout de suite. De toute façon, moi, j'ai pas peur, hein.
Tiens, on l'avait pas fait cette pièce. Attends, je vais aller voir la pièce du bureau, mais d'abord on va faire ça. Regardez-moi ça là, c'est quoi là ça? If I look at these boxes at this angle, it looks like there's a number. Ouais. Enfin, 6. J'ai toujours le contrôleur sur mes genoux, j'étais en train de me faire chier avec ça sur les genoux alors que j'avais pas besoin. J'étais en équilibriste. La petite manette était en équilibriste sur mon slip. J'avais pas besoin du tout de ça, moi. Pourquoi je... Mais qu'est-ce que... Bon, alors là, on revient à l'idée de Nick Taras, hein, qui a toujours de très bonnes idées. Alors ça scintille pour une bonne et simple raison. C'est que le jeu est mal optimisé. Voilà, c'est pas parce qu'il y a quelque chose. Voilà, comme ça, ça aura répondu à la question de Nick Taras. Pourquoi la chaise scintille? Parce que c'est mal optimisé. J'ai mis le jeu à fond, mais à la limite, je crois qu'il valait mieux que je le mette en très basse résolution. Ça aurait été superbe. Alors déjà, on a un chiffre. Hein. Oh, I'm still missing something. Ouais, mais oh. Ce qui m'agace... Alors, on va regarder la caisse, là. Il y a eu un truc... Ce qui m'agace, c'est le coup du crucifix. Il me dit, mon crucifix, hop, regardez, la tête de ce tournevis, pardon, crucifix, qu'est-ce que je raconte, tournevis, a une forme particulière. Ok, donc ça va nous faire dévisser quelque chose de particulier, si je suis pas trop con, hein. J'aurais besoin de courant, de 4 chiffres et de l'ordre des codes. Bon, les 4 chiffres, déjà, on en a un. Voilà, voilà, c'est marqué en gros. J'ai trouvé le chiffre 6. Ok, donc il faut regarder sous un certain angle, hein. Ça s'appelle... vous savez, en art, alors c'est toujours quand je stream, je retrouve plus mon vocabulaire, je perds tous mes mots. C'est même le nom d'un film qui est pas mal du tout. Un thriller. Quand on regarde l'art sous un certain angle, ça me révèle une autre image. Non. C'est ça, mais... Enfin, c'est pas ça. C'est ça, mais c'est pas ça. D'accord? C'est ça, mais c'est pas ça. Ah, regardez, on avait même pas vu qu'il avait fait caca dans sa baignoire. Mais il a pas fait qu'une fois, hein. Bah, je touche pas à ça, si. Regardez, on va trouver quelque chose. Il est pas malin, Romain, c'est un 7. Bon, on a 2 chiffres. On a 2 chiffres sur 4. On peut le faire. Évidemment, il n'y en a pas un de toilette, ça serait trop simple. Je vais retrouver le nom, hein, de ce film. Bon, il y a forcément un chiffre un petit peu en bas, non? En général, il y a toujours un chiffre par pièce. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait tellement bien qu'il ait fait le 3. Moi, je lis pas ce genre de choses. Désolé. Je ne fais pas... Moi, je... On ne fait pas ça ici, hein. C'est pas le genre de la maison, hein. On va pas être copains. De toute façon, c'est pas la première fois que je te dis, Nick Taras. C'est pas la première fois. Ah, on n'a jamais été. Et pour cause qu'on n'a jamais été ici. Y a rien. Bon, maintenant qu'on joue mieux, on peut regarder un petit peu mieux les choses. Hein? Ah, regardez par exemple là. Allez, donne-nous du thé. N'aie pas peur, petite bouilloire. Hein, une petite assiette. Il va y avoir un chiffre à son dos. Il n'y avait pas une petite note dans l'étagère dans la salle de bain? J'ai cru. Alors ça, voilà. Ça, c'est les... Ça, c'est Léa, ça. Alors, comme elle a... Elle a tellement un décalage, Léa, avec son Twitch, que des fois, on change de jeu, que je reçois le message du jeu précédent. Ouvre la porte. Et on est en train de jouer à autre chose. La salle de bain, elle est à l'étage, hein. Rendez-vous compte. L'autre fois, on joue à Super Mario. Elle m'a dit saute. J'ai reçu le message quand on joue à Bloodborne. Cooking Pro. Bah très bien. C'était un papa que gastronome. Très bien. Ça me plaît. Pas moyen de changer de fusible pour allumer la lumière dans la cuisine? Non, on peut rien faire. On peut rien faire. Les interactions sont très 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 légères. Hein.
Ah, regardez, là, on va trouver quelque chose. This looks like the order of a code. Big, small, biggest. Ok, bon, il m'a mis tout dans, il m'a mis dans le journal. Hein. Derrière le tableau. Ah, il est pas bête cet Aurel. Il nous a déjà sorti de bien, bien des situations, Aurel. On peut lui faire confiance. Bon, par contre, quand je vais remonter l'étage, je vais quand même aller voir la salle de bain. Peut-être que Léa a vu effectivement une note. Hein, faut pas non plus... Ah. Non, mais on vient de le faire. On peut peut-être se déplacer un petit peu plus rapidement quand même. Je regarde les petits placards. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit méthodique, vous le savez. À force de me regarder streamer, vous avez vu qu'on était resté méthodique. Bon, il n'y a pas d'interaction avec les tableaux, Aurel. Hein. J'espère que tu vas pas m'en vouloir. On va retourner à la salle de bain, vu que Léa elle a vu qu'il y avait une note. C'est ça dont tu parles, Léa? Ce qu'on a lu il y a déjà 20 minutes? Putain, les énigmes, ah, jeu de go... Non, bah voilà, toujours les insultes. Ils me font trop marrer les sons de jumpscare qui tombent à plat à chaque fois, oui. Mais du coup, ça devient... Du coup, le jeu me plaît, là, maintenant. Ça y est, je suis dedans. Il me faut un quatrième code. Regardez, hop, on en est là. J'ai trouvé le chiffre 6, j'ai trouvé le chiffre 7. Trouver l'ordre d'un code à 4 chiffres. Bon, pourquoi pas. Mais bon, la tête de ce tournevis a une forme particulière. Ça j'adore. Ça, j'adore. Faut peut-être qu'on sorte un petit peu de la maison. Ah ben voilà, il y a un autre chiffre là. Part of this photograph is missing. Ah non. Ouais, non mais je suis pas... Eh, je suis pas si con que ça quand même. Je vois quand même les choses. Mais merci de ta participation. Non, je pensais que ça allait être un chiffre. Bon d'ailleurs, regardez, on n'a pas besoin, si on n'est pas trop con, on n'a pas besoin de l'autre moitié. Évidemment que c'est un 8. Hein? Ça va être un 8. Bon, vous me proposez quoi? On retourne à la cave? Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu à la cave. Oui, ça fait un petit peu visage en pas bien. Ou un 3, oui. C'est vrai. On va aller dehors, on se barre. On va aller là où on n'a pas été. On va revoir la maison, là. On va tirer ça au clair maintenant qu'on sait se servir de la souris. Voilà. Alors, sa lumière est plus puissante quand il est à l'extérieur. Ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi il le fait pas quand il est à l'intérieur. Il aime bien se mettre des handicaps. Non, je voudrais courir, s'il vous plaît, madame. Regardez, par exemple, si on veut se barrer, il va nous sortir quoi comme phrase débile pour nous empêcher de le faire? Ah, vous avez pas eu peur, là? Vous avez fait un peu caca dans votre culotte? Je sais qu'Aurel, là, il est un petit peu sous la couette. Il a un petit peu peur, Aurel. C'est bien normal. C'était arrondi en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, par rapport aux chiffres. Donc ça peut être un 3. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je suis en train de revenir sur mes pas. On va le savoir très vite. Peut-être pas, hein. On va aller au lac où notre papa pêchait. Le jeu m'interdit pas d'y aller, donc... On va aller là où il y a la lumière. J'ai l'impression de revenir sur mes pas, non? Non, c'était pas comme ça. Tu te souviens, toi, Nictarac? Attention, quoi, attention. J'en prends plein la gueule, ce soir, adieu. Mais j'ai rien dit.
Tous les chemins mènent à Rome. J'ai rien dit. Ah, c'était pour me faire peur. Non, mais regardez, là, on avance, là. C'est curieux qu'on puisse aller si loin. C'est complètement con. C'est complètement con. Hein? On est d'accord? Vous êtes d'accord, là? Qu'est-ce que... Quoi? On peut pas aller par là? Mon dieu. Merci, Aurel. Hein. Merci beaucoup. Du coup, je sais même plus dans quel sens j'allais. C'est complètement idiot. Je me tape une minute de marche pour me dire que c'est pas le bon chemin. Ils me punissent en me faisant un game over. Oh là 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 là. Alors du coup quoi, on retourne sur nos pas en fait. Ils auraient pu me le dire un petit peu avant. GG Sergio, ah oui là, là franchement c'est bon. Parce que à la limite j'aurais préféré, vous voyez, je sors de la maison puis ils me disent « Non, je ne peux pas retourner sur mes pas, il faut que je retrouve mon père !» Voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais non. Non, 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 le mec a dû se dire en réunion, vous savez, quand ils ont fait le brainstorming, ils ont fait « Non, on va le faire marcher pendant 2 minutes, et au moment où il aura bien marché pendant 2 minutes, on le fait tuer. » Comme ça, il comprendra que c'est pas le bon chemin. Merci Sergio. Oui, voilà, par exemple, il y avait les chiens de Resident Evil. Et puis si on insistait une deuxième fois, il rentrait dans la pièce. Donc là, ça nous faisait comprendre que bon... Bon, fallait pas y aller, quoi. Enfin, j'étais en train de me moquer en me disant qu'il allait me sortir une phrase débile pour me dire que c'est pas le bon chemin, mais j'aurais préféré, là. Là, il m'a fait faire rebrousser chemin, vraiment, quoi. Bon, allez, allez. C'est un petit jeu. Faut être un peu plus bienveillant, hein. Ces gens-là ont passé du temps, ils ont mis leur passion là-dedans, hein. Nous, on est en train de critiquer, là. Vous êtes mauvais. Les gens font de leur mieux, puis vous, vous êtes trop gâtés. Bon, alors, il y a une chose qui est certaine, mais, enfin, une chose est certaine désormais, c'est que les deux chiffres manquants sont à l'intérieur de la maison. J'ai l'impression de jouer à visage, là. Quand je me rassutais... Ok. Vous avez peur, j'espère. Ça me fait souvenir quand je jouais à visage... Et que je me rassurais avec des théories complètement débiles. En me disant, oui, il n'y a plus que ça à faire, c'est forcément ça. Alors, en revoyant la VOD, en revoyant les vidéos, c'était absolument pas là où il fallait aller. Je perdais un temps fou. Bon, vous regardez en même temps que moi, hein, je compte sur vous. Regardez là, par exemple. Bon, on l'a déjà regardé. Hein. Big, small, biggest, smallest. Mais je pense qu'il va le mettre lui-même dans le bon ordre, vu qu'on a trouvé la note. Alors, quelle est la pièce où on a le moins regardé? C'est à l'étage, hein? C'est à l'étage. Ah non, on avait dit qu'on retournait un petit peu dans la cave. Cette cuisine de visage était bien ouf. Bah oui, bah maintenant, visage paraît magnifique, hein? Là, du coup, dans la machine à laver, peut-être? Non. C'était pas idiot. C'était pas... Dans le petit placard. C'était pas idiot. Faut que j'arrête de prendre cette voix là. Après les gens vont vraiment croire que je parle comme ça. Hein. Bon, vous êtes d'accord, là on a tout fait. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est ça quand même. Non, y a plus rien à faire là. Alors peut-être qu'il faut qu'on retrouve un autre fusible, mais non, y a rien à faire. Je vous assure. Ma femme propose de souffler sur le hublot. On peut pas. C'est pas la Nintendo DS.
Par moment, le jeu, il veut plus avancer. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est bien, au moins on découvre. Moi, je m'embête à vous trouver des jeux fantastiques, de vous sortir un peu de votre zone de confort pour vous éduquer, et puis vous plaignez. Il faut absolument que tu te démerdes pour trouver le son. Ah bah le voilà. Et c'était quoi d'ailleurs l'autre son qui nous avait fait bien rire, Nick Taras? Tu te souviens? Et qu'il fallait que je sample. T'en souviens-tu? Mon bon ami? Ah, il y a peut-être quelque chose derrière la porte. Voilà! Et voilà, heureusement que je suis là. Hein. Alors, si je devais compter sur vous, on y serait encore. Et voilà! Looks like there's a number here. Alors, 4. C'est qui le patron là? C'est qui le patron? Il y en a trouvé une petite cassette. Je ne sais plus quel jeu, oui, moi non plus. Bon, en même temps, on n'en a pas fait 100 000. C'était pas dans Amnesia? Non, je crois pas. Du coup, ça donne envie de fermer toutes les portes. Il y a des moments, le jeu ne veut pas. Hein. Je suis désolé, hein. C'est pas ma faute. Comme disait Alizé. Bon, on fait un petit point. Bon, ça c'est bon. On a fait tout ce qu'il fallait faire dans le journal. Je reviens un petit peu en arrière. J'ai trouvé le chiffre 7. Il nous en manque qu'un seul. Hein. On a 6, 7, 4. Ouais, par déduction, et si on n'était pas trop con que c'était pas un jeu vidéo, on te le trouve. On te le trouve, le dernier chiffre, vu qu'il en reste plus qu'un. Si on n'était pas trop idiot. T'es pas d'accord? J'avais dit derrière les portes, c'est vrai. Mais j'ai cru que tu blaguais. Fais chier de regarder toutes les VOD. Non, ça devait être dans le jeu Lovecraftien. Oui! Oui. Exactement. Ça, je sais plus ce qu'il dit. Attendez, je me scratch un peu. Non, mais c'est vrai qu'à la limite, ils auraient mis... Par contre, si vous entendez des cris de bébé, c'est pas dans le jeu. Hein, c'est mon gosse. Hein. à la limite, ils enlèveraient les bruits pour faire faussement peur. Si on joue tout seul, c'est pas trop mal. Mais le jeu est très très flou. J'ai l'impression de jouer sur la Switch. Dans une version dégueulasse. Mais bon, faut pas s'attarder à ça. Hein. Les gens ont bien noté le jeu. Hein. Je vous dis, vous êtes bien cruel. Vous jugez trop vite. Bon, on a fait toutes les pièces, là. Hein. Un petit panier à linge, là. Alors... Bon, j'ai fait toutes les pièces. Ça me fait... Là, j'ai l'impression d'être dans Visage. En même temps, dans Visage, je disais toujours que j'avais fait toutes les pièces, puis au final, je les avais pas vraiment faites toutes. Mais il n'y a pas de touche saut, là, par contre. Hein. Bah ouais, j'ai tout fait, là. Bon, évidemment, dès qu'on a trouvé un chiffre dans une pièce et après, il n'y en a pas un autre là. Bon, allez, le dernier chiffre doit se trouver dans une pièce du salon que j'ai pas faite, quoi. Hein? Vous jugez trop vite, d'exit le streamer qui gueulait parce que ce qu'on avait était en QWERTY. C'est pas vrai. J'ai pas gueulé, j'ai dit que c'était un petit peu agaçant. Ah, mais on est jamais venu là? Ah, si, on est déjà venu. Bon, bah, ça va être ici. Hein. Ah, bah non, oui, si, on l'a déjà fait. C'est la bibliothèque, merde. Mais vous savez quoi, ça se trouve, il nous. Non, il nous dit pas ça dans les trucs audio. Non. S'il te plaît, papa. Hein. Déjà qu'on attache à ta recherche, si tu crois qu'on a le temps. Moi, je verrais bien qu'il y a que le chiffre serait caché un petit peu. Vous voyez? Que le chiffre serait genre dans la cheminée, vous voyez, un truc comme ça, un truc un petit peu jeu vidéo, quoi. Hein? Genre anamorphe. Tout à l'heure, je cherchais. C'est anamorphe, l'anamorphisme. Quand vous regardez d'un certain point de vue, vous voyez, par exemple, vous regardez comme ça, là.
Et puis après, un petit peu comme ça, puis vous voyez une autre image se dessiner. Bon, ça s'appelle de l'anamorphisme. Vous regarderez sur Google. Et en même temps, c'est un très bon thriller. Oh, ça doit être sur les coussins. Allez. Allez, les coussins, là. C'est mon dernier espoir. Ou la téloche. La petite télé, peut-être. Non. Oui, sinon, je comptais streamer ce soir ou... un jeu complètement comment vous savez où c'est des vidéos qui se lancent il y a des c'est une collégienne qui a été kidnappée japonaise et le jeu était vraiment pas bon mais par contre ça avait l'air très drôle. J'ai quand même téléchargé et en fait ça lance des séquences vidéo, il y a des énigmes, faut l'aider à s'échapper, ça aurait pu être très drôle et là je commence à regretter. Bon, écoutez, je ne sais pas. Hein. Il y avait deux chiffres dans la salle d'eau déjà. Oui. Ah, il y a la banane. Et alors? Alors, soit on peut consulter tous les objets. Pourquoi on pourrait consulter plus la banane qu'autre chose? Ah, regardez. On a trouvé. Bon, c'est bon, on a le dernier chiffre. Heureusement que je suis un gamer pro. La photo, elle était où? Ça, c'est moi, ça. La photo, elle était dans le salon, non? Oh, le coup du piano à chaque fois. Bon, en même temps, ça marche quand même un peu. Ça me fait un petit peu peur. Elle est où, la photo, déjà? Dans la chambre à Shiku. Ah oui, à coucher, d'accord. Non, hop. Allez, hop. Allez, hop, mon gros. Non, ça, c'est pas la chambre à coucher. Ça, c'est la chambre des gamins. Ça doit être celle-là, voilà. Et voilà. Et vous voyez que c'était un 8. Oh, franchement, là, on a pu trouver... Ça, c'est une petite erreur de game design, hein. Allez, c'est bon, on peut ouvrir la porte. Got it. Whatever's upstairs, this door kept the people out. Ok, mon père était un peu parano du coup. Ok, Hank. I think you wanted me to go here. So what is it you've been hiding away in the attic? Are you here? I need more light. Eh ben, qu'en cela ne tienne. Appuie sur le bouton gauche de la souris. Oh non. Quoi non? Oh shit. What is this? Oh my god. It's some kind of freaky plant thing. Hank. Bon, son père, je vous le dis en mille, il travaillait sur les extraterrestres, le gouvernement l'a chopé, il a disparu et ils veulent me tuer aussi. Voilà, Alliance Areol, voilà. C'est ça le pitch. Hein. Là, on a une autre petite cassette. Là, on va voir un petit peu. Some kind of map. Location is marked. Bring remote. What remote? Is it here somewhere? Bon, faut qu'on trouve la télécommande et qu'après qu'on se casse. J'ai bien compris. Oui, il est en train d'étudier les aliens. C'est une caricature de série B, quoi. Ok, une petite note. C'est un fanat du faux, quoi. These documents hold important information. Ok. RICS looks like a major player. I'm writing them as a separate timeline in my journal. Ah, oh, c'est bien, il l'a écrit dans une timeline séparée. Bon, là, on peut pas faire du on-off? Non. Il ne veut point. C'est une petite découverte, ce jeu. Une télécommande, hein.
Je vérifie hein, si c'est un de nos trucs à faire. Pourquoi y a-t-il une image d'une télécommande sur cet écran? Ouais, faut qu'on trouve la télécommande. Hein, ça me paraît pas idiot. Bah, il a été plus loin que de faire des recherches parce qu'il a quand même des trucs bizarres dans sa piole, hein, dans son grenier là, dans son attique. Mon dieu, moi si j'étais à la tête d'une équipe comme ça de développement, je ferais tout sauf ça. J'adorerais hein, d'ailleurs. Ça me ferait plaisir. Faire un jeu vidéo, ça doit être trop bien. Ah, on a trouvé quelque chose ici. This image is important. Ah, c'est une image importante. Alors, on va aller dans mon journal. Là on a une image. Ah bah oui, c'est une image. Cette photo que j'ai trouvée dans le dossier semble documenter une sorte de découverte ici à Green Lake. Ils sortent une sorte de vrille végétale de l'eau. Il y a une sorte de fumée qui s'en échappe et des scientifiques sont présents. Qu'ont-ils trouvé? Papa l'a intitulé 1968, l'homme découvre la croissance extraterrestre à Green Lake. Et il a griffonné, il nous observe à travers la croissance, en apprenant sur notre culture. Mais qu'est-ce que... D'accord, donc son papa, voilà, c'était ça. C'était un petit spécialiste de... Mais là, j'ai l'impression que c'est une petite salle secrète. Hein. Une télécommande. J'essaie de regarder avec du recul. Hein. Un petit peu tout. Là, on... Voilà, bah voilà. C'est, en plus, c'est toujours les trucs les plus évidents que je loupe. Le puits du faux. Très bon, très bon. Appuie sur E pour focaliser la lampe. Très bon. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Appuie sur E pour focaliser la lampe torche. Shit. It reacts to light? What is it? Ok, donc ça nous a appris qu'avec la petite lampe, on peut se débarrasser de hein, des choses. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette petite... ce télescope. C'est un gros, hein. Always obsessed over his projects. What is all this stuff? C'est tout? D'accord. Bon, maintenant qu'on a viré la... On peut avoir accès au livre? Au livre? Non? Ah, on peut ouvrir ça. Nothing more. Bon, c'est un vide d'ordure, personne n'a un vide d'ordure comme ça dans son grenier. It's a garbage chute. Mais non! Mais moi, je ne te crois pas. Regardez, le père était pas seulement fan d'Alien, il faisait des dessins de petites vaches aussi. Qu'est-ce que ça fout là? Attendez, ça m'intrigue. Attendez, j'ai vu qu'il y avait une boîte à ouvrir. Hein. Regardez-moi ça. Comment on zoome? Voilà, regardez-moi ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Oh là 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 là. Allez, on ouvre la boîte. Non, par contre, là, oui, je suis pas du tout d'accord. Il dit, c'est un vide d'ordure, ça nous intéresse pas. Quoi? Mais bien sûr que ça nous intéresse, idiot. Regarde-moi ça, c'est pas un vide d'ordure, c'est un coffre-fort immense. Personne n'a un vide d'ordure énorme comme ça, avec marqué exit. C'est pour balancer des cordes aliens. Et lui, oh, c'est un vide d'ordure. Non, 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 ça nous intéresse pas, ça n'a rien à voir avec notre histoire. Coquin. Qu'est-ce qu'on a trouvé là encore? C'est pour balancer les cordes aliens. Voilà, voilà, c'est ça. On a trouvé la télécommande. A remote for something. Nothing's happening. Ah, il se passe rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, on peut regarder les stickers. Il y a quelque chose derrière. Ah, je me suis fait avoir là quand même. It's okay. You're just seeing shit. Mais pourquoi il a des visions comme ça par contre? Ça je... Bon, là il y a une petite photo. Bon, rien de plus. Il n'y a pas les piles. Tu mettras sur la VOD quoi. Il y a eu une onde derrière toi, de la fumée. Ah bon? J'ai pas fait gaffe. Et qu'est-ce que me dit Aurel? Il n'y a pas les piles, Sergio. Alors Léa qui est revenue, qui fait plus la tronche. Alors que si ça se trouve, il a pété un bâtiment 10 bornes plus loin avec son bouton rouge.
Ah, ça n'a strictement rien fait, Hiroshima. C'était le bouton pour Hiroshima, nous, à deux. Ils avaient paumé la télécommande. Bizarre, quand il voit la photo de la petite grosse, il ne flippe pas. Oui, j'ai compris. Dans la télécommande. J'ai jamais fait la tranche, moi. Ah oui, d'accord. Ah non, mais moi, je prends tout au premier degré. Hein. Bon, écoutez, regardez. On va regarder notre journal et ils nous disent ce qu'on doit faire. Alors, ça, on l'a fait, le truc des plantes. On l'a fait partir, la tentacle. Maintenant, il nous reste ça à faire. Pourquoi y a-t-il... Je vous le lis parce que j'imagine que pour vous, c'est tout petit. Hein. Pourquoi y a-t-il une image d'une télécommande sur cet écran? Un étrange regard distant, qu'est-ce que c'est? Un étrange regard distant? Comment ça? Il m'a marqué un étrange regard distant, qu'est-ce que c'est? Mais allez, évidemment qu'on peut ouvrir. Mais... Rien, non, c'est pas du tout un vide ordure, c'est marqué exit. Alors, je vais avoir besoin de vous. Là, vraiment, parce qu'on va progresser. Hein. Pourquoi y a-t-il une image d'une télécommande sur cet écran? Ah, sur cet écran. Ok. C'est pour ça que je lis bien maintenant. J'ai essayé d'être moins tête en l'air. Il m'a marqué sur cet écran. Voilà. Ok. Okay. I've got a location to go. A remote. Shouldn't be far from here. You better have some answers when I get there, Hank. Ok, bon, maintenant on s'en va là, j'imagine. Ah, faut partir, faut courir. Bah, exit. Le vide ordure. Allez, on y va. On court. On peut, qu'est-ce qu'il faut appuyer sur quoi là pour passer? Assaut automatique. Oh. Et je me suis trompé. Je confonds ma gauche et ma droite. Mais vous inquiétez pas, il y a un checkpoint. C'est bon, c'est une affaire qui roule. Ah. Oh bah non, mais là j'ai rien fait. Bon, heureusement que le jeu est... Oh là là. Mon dieu. Oh my god. I need to get away from here. They'll kill me. They'll kill me this time. Il faut peut-être que j'éteins ma lampe torche. Oh, mais... Ça va le faire. Vous avez confiance en moi? Non mais... Il me tue, je veux même pas... J'ai les mains là. Ah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je meurs. C'est parce que j'ai pas les mains sur l'écran. Non mais... Y'a un problème là. Ah, ça va me faire plaisir à revoir en VOD hein. Ah, faut que je mâche W. Je vous jure que je cours, que je suis... Je comprends pas là. Oh my god. I need to get away from here. They'll kill me. They'll kill me this time. We got him. Situation under control. Je comprends pas. Reviens dans le vide ordure, non. Ils me disent mâche, bah je mâche. Et j'aurais bien éteint ma lampe. Voilà. Ouais, c'est ça, fallait éteindre la lampe. Mais j'ai essayé tout à l'heure. Hein. Oh mais putain. On a le temps de rien faire. Ils nous disent un message et puis tout de suite on est mort. Mais putain, éteins ta lampe torche, connard. Pourquoi il faut l'appuyer, mâcher le bouton gauche, ça ne veut rien dire. Bon, c'est bon, on a réussi. Hein. That remote control. Hey, did that red light just turn on? I'll need to cross this field. Hank must be there. But I can't let the soldiers see me. Or my flashlight.
Oh, les phases d'escape, il faut absolument que je change de... Là, je suis en QWERTY, c'est pas possible, quoi. Je vais pas y arriver, quoi. Qu'est-ce que vous m'avez marqué comme saloperie encore? Vous m'écrivez que des saloperies. C'est fatigant. Reviens avant le... Oh, il faut que tu bascules à la lampe torche. C'est une sorte de quelque chose, voilà. Oui, on est d'accord. Non, non, je suis en QWERTY et rendez-vous compte, avant que je meure et que je meure en boucle, il fallait mâcher le bouton droit de la souris. Mais pourquoi? Et puis, mais vraiment à la seconde, quoi. C'est pour ça que je suis mort en boucle. Je suis pas complètement con non plus. Après, vous allez croire que je suis débile. Turn off my flashlight, I'll improve my chances. God, I hate the dark. Ouais, bon, le fait pas trop sombre, ça va. Vous avez vu comment il est bien modélisé? Là, ça pourrait faire un super fond d'écran, hein. Si vous voulez, vous pouvez faire... je vous autorise à faire une capture d'écran pour faire un wallpaper pour votre PC. C'est le petit bonus que je donne comme ça. Me remerciez pas, moi ça me fait plaisir. Il nous a pas vu. C'est bon, c'est bon. Une affaire qui roule. Là on va pouvoir accéder au pont. Ouais, c'est bon. C'est bon, je suis accroupi là, c'est une affaire qui roule. Pourquoi c'est de plus en plus sombre? Ah ben là, je sais pas pour vous, mais alors moi, c'est... Il nous a bien dit d'aller par là, hein. Et je vous assure que je vois pas plus que vous, hein. S'il y en a... Si vous aviez envie de vous plaindre... Et alors, quelqu'un a lu pourquoi on se dirige vers le truc rouge? Et pourquoi c'est de plus en plus sombre? J'ai envie de remettre ma flashlight, hein. Voilà. On arrête les conneries, là. More plants. Do I need to go down here? Ah bah bien sûr. Best be careful where I step. Ok, ok. Quel con ce Richaume. Pourquoi il s'appelle Guillaume? Alors attendez, il nous a demandé d'aller par là, non? Je ne sais plus. J'ai pas envie de... On peut pas sauter, hein, de toute façon. Bon, là, on est coincé, là. Vous me proposez quoi? Qu'est-ce que c'est que... J'ai mon Windows qui s'est mis en route. Enfin, je veux dire... enfin, je me comprends. C'est bon, c'est revenu à la normale. Je ne sais pas par où aller, je dois redescendre? Non, mais je vais me faire tuer par les gardes. Descends dans le tunnel bleu. Tu vois un tunnel bleu, toi? Mais c'est pas un tunnel bleu, ça. Déjà, c'est rose. Et puis, c'est une espèce de fleur. On peut rien faire, il n'y a pas d'interaction. C'est si sombre chez vous. Si c'est si sombre, dites-le-moi, hein. Je vous mets de la lumière, moi. Hein. Je suis là pour ça. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de me demander des choses. J'ai l'air un petit peu comme ça, sévère, mais... Que nini. Je suis très, très sympathique. Soyez pas intimidé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Soyez pas intimidé. Non, regardez là, si je repars en sens inverse. Il disait qu'il pouvait y descendre. Oui, c'est vrai que j'ai lu ça aussi. Oui, puis si on revient en arrière, on va forcément se taper les gardes, donc c'est pas ça. Moi aussi, j'ai compris qu'on pouvait y descendre. Alors peut-être... Oh là là. Ah, là, ça a fait une save. Vous avez vu? Mais ils ne savent pourquoi. Oh mon dieu. Et puis il n'y a pas de bouton pour sauter ou... Attendez, je regarde mon... Le mieux quand c'est comme ça, c'est regarder mon tab. Ah bah il me dit rien. À quoi sert cette télécommande? La télécommande a allumé une lumière rouge dans les bois. Ah mais comment on peut le savoir que ça a allumé une lumière rouge dans les bois? On a dit que ça avait rien fait quand on a allumé. On est d'accord, hein? Le problème, c'est pas l'obscurité, c'est la dégueulasserie. Oui, c'est ça. En plus, moi, un jour, je vais vous montrer avec ma caméra, avec ma télé, là. Ça me fait une bouillie de pixels, mais alors,
Faudrait me payer pour jouer là. Je suis sûr que je perds des dixièmes aux yeux à chaque fois que je stream. Et à chaque seconde là. Attendez, je retourne un tout petit peu là pour me faire tuer. Salut mec, ça va? Tu m'as pas vu? Non, il m'a pas vu. Ah mais il m'a dit de descendre, peut-être qu'il faut qu'on descende ici. Vous voyez? Pour faire le tour. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On passe dans son dos. En fait, c'est ça qu'il a voulu dire. Oh God. Quoi? Hein, c'est ça. Oh, mais je sais pas par où aller. C'est vrai qu'on voit que dalle et c'est super dégueulasse. Hein. On peut pas mettre une mère. Attends, oula, oula, oula. Attendez, 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 attendez. Partez pas, s'il vous plaît. Ma mère me regarde mes streams. Je vais juste dans échappe et je mets une meilleure résolution. Hein. C'est pas possible, là, le jeu est trop dégueulasse. Regardez, graphiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, mais on est en 720. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà pourquoi. On va déjà essayer celui-là. Ah bah voilà. Attendez, parce que j'ose pas mettre plus puissant, j'ai peur que ça plante. Bon là le jeu est plus bah pour moi il est beaucoup plus net hein. Ah c'est vrai qu'on voit rien. Pas envie d'être mauvaise langue mais on va perdre tout le monde là encore. Même moi je vois pas où je vais. Ah bah bravo. Bon, la chose qui est bien que dans le fait de se faire tuer, c'est qu'ils vont nous remettre là où on devrait être. Donc c'est ça. Hein. Comment on peut accéder à la lumière rouge? On peut passer par là peut-être? Ah mais il y a un chemin! Comment j'ai pas pu le voir? Con que je suis là. On a bien fait de mourir. On a bien fait de mourir. Bon, là, chez vous, c'est plus joli quand même. Ah ben non, c'est exactement... On se retrouve au même endroit. Qu'est-ce que j'ai merdé. Attendez, je mets une résolution encore... Ensemble, on va rendre le jeu joli, regardez. Paramètres, on va le mettre au maximum. Du 3800, ben oui, bien sûr, ma télé supporte ça. Ah ben non. Ah si. C'est bon? Oh mon Dieu. Ça lag là, hein. Ça lag un peu. J'ai l'impression que je... Normalement j'arrive à jouer comme ça, hein. Mais j'ai l'impression que le jeu ma télé supporte pas. On va revenir en 1080. Attendez, je sais pas si vous me voyez. Fatal error. Mais là on est en 30 fps du coup. Bon à la limite on s'en fout, hein. Voilà. C'est mieux là? Ouais non, ça rame. Le jeu est pas optimisé. Hein. Le jeu est pas optimisé. On retourne en 1080. Je suis désolé. Hein. Voilà. Je peux pas faire... Je sais pas pourquoi, mais c'est le jeu qui est pas optimisé parce que je peux évidemment afficher des jeux en 4K là, sur ma télé. Hein. C'est peut-être mon PC, mais je pense pas, le jeu est pas beau du tout, donc c'est pas ça. Non, non, c'est le jeu qui tourne mal. Dès que je mets une résolution supérieure, il veut plus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai perdu? Vous êtes plus là? Focalise ta loupiote sur les plantes. Non, puis je suis sûr que la solution est toute conne, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est agaçant, hein. On voit rien. Bon, écoutez, je ne sais pas. Hein. Je suis toujours en ligne. Vous me racontez plus rien. Je regarde. Ça se trouve, le fait d'avoir changé de résolution m'a fait planter le jeu.
je vous ai tous perdus. Mais non, je suis en live, c'est bon. C'est vous qui êtes vilain, qui voulez plus me parler. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous proposez? Merde, j'ai le retour. Ah, oh, on va y arriver. J'ai l'impression que j'ai les dieux de l'informatique qui sont contre moi. C'est quand même terrible, hein, cette histoire. Ah, heureusement qu'on a le petit piano pour nous remettre dans l'ambiance. Non, le jeu est très très mal optimisé. J'ai mon jeu qui rame alors que, bon, il y a... Non, non, il n'y a rien du tout, là. Oh, on va encore mourir. Non, puis il y a personne qui travaille pour le gouvernement qui te met un coup de baramine. Ça, c'est... Personne travaille pour le gouvernement et te met un coup de baramine, ça n'existe pas. Non, faut passer par là, mais sauf qu'il faut faire un truc que je comprends pas, voilà. Vous feriez quoi, vous? Qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi la musique s'énerve, là, d'un coup? Oui, je pense que c'est le mieux. C'est pas terrible, hein. Enfin, je pense que ça pourrait être bien s'il y avait des graphismes. Là, vraiment, les animations sont trop merdiques. Non, c'est trop merdique. C'est trop merdique, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a de l'idée, mais c'est trop merdique. On voit rien. Si en plus, je pouvais y jouer dans une résolution un petit peu honnête, bon. Mais là, non, c'est pas terrible. On va s'arrêter là. Ça m'agace. Et puis, bon, bah, de toute façon, je peux même pas y jouer à la manette et je peux même pas y jouer au clavier. Ça en... Bon. On va s'arrêter là. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous voir. Donc, si un jour quelqu'un vous demande, c'est bien la santé de Maurice, vous lui dites non. Hein, vous lui dites non, joue à autre chose. Vous lui dites non, joue à autre chose, c'est pas terrible. Hein. N'hésitez pas. C'est pas top, quoi. Non, je vois pas. Je viens de voir le walkthrough, histoire de voir ce que ça donne, et c'est moche, il faut trouver de tout petits chemins. Ah, c'est ça en fait. Bon, d'accord. Non, mais demain, on va se trouver un putain de bon jeu. Parce que là, bon, Little Nightmare, c'était très sympathique. Mais là, en fait, le mec... là, t'es en train de me dire, Nick Taras, que le mec... Attends, on va passer en main cam, on est comme ça. Tu t'es en train de me dire que le mec prend plein de petits chemins pour pouvoir accéder à la lumière rouge? Ouais, c'est vrai qu'on s'intéresse à ce que les gens de le studio de Visage a fait comme jeu, effectivement. Une fois qu'on aura... peut-être... Enfin, pardon, une fois qu'on aura pas du tout... peut-être qu'ils ont fait d'autres choses. Vu que Visage est vraiment très très bien. Non, là, c'est vraiment trop dégueu. C'est une bouillie de pixels. Dès que j'augmente la résolution... Bon, puis lui, il va me retuer. Ça va encore m'agacer. Non, c'est bon, il est parti. Donc c'est pas par là où faut que j'aille, hein. Tu me confirmes, Nick Taras. Hein. Nick Taras, c'est un petit peu notre envoyé spécial, si vous voyez. Hein. En fait, il y a deux personnes qui travaillent pour moi. J'ai bien sûr le chien, hein, que je vous présente. Mais que vous connaissez, évidemment. Et puis j'ai Nick Taras, qui est un petit peu... À chaque fois qu'on a un petit problème, eh ben, qui va farfouiller sur Internet, puis il nous dégote les petites solutions, les petits tips, les petits trucs et astuces. Bon, je crois qu'il faut trouver une cassette par terre, puis t'as une vision. Ouais, bon, on l'a laissé tomber. On va laisser tomber. Si on vous demande, c'est pas bien. La santé de Maurice, c'est pas top. Ouais, Alt F4. Non, mais bon, c'était sympathique. Comme ça, on a vu ce que c'était. C'est dommage. Je misais beaucoup sur ce... A priori, il y a quand même quelques joueurs qui l'ont apprécié. Il a 8 sur 10 sur Steam. Mais bon, c'est peut-être la famille. Hein. C'est peut-être la famille des développeurs. Hein. On sait pas. Hein. C'est peut-être la famille. Et puis, c'est peut-être aussi des gens qui ont des goûts de merde. Ah, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Allez. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, ok? N'hésitez pas à mettre la petite cloche, vous abonner. Enfin, tout est inscrit partout. En tout cas, je remercie Nick Taras. Je crois qu'il y a Eve qui est là, enfin il y a à peu près tout le monde, et puis bien sûr Aurel qui à chaque fois nous éclaire, hein, et qui nous débloque les situations, ça c'est toujours agréable. Bon, je vous dis à demain pour quelque chose de fantastique. Réservez votre soirée de demain soir, ça va être formidable. Je sais déjà
Je sais déjà ce qui va se passer, d'accord? Donc je vous embrasse tous très fort et je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir à ma grand-mère qui regarde les VOD. Elle aime bien voir que les gens apprécient son petit-fils. Voilà. Allez, un gros bisou à tout le monde et à demain. Tchuss.